Et voilà, c'est en direct de Kioustaz. On va profiter juste un petit moment, bien sûr, avec Fabrice Moufirita sur le morceau Kazaro. Baba
Cazaro, Fabrice, merci beaucoup pour cette exclusivité. Cazaro qui est toujours disponible sur votre chaîne YouTube. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc sur YouTube, c'est Fabrice. Fabrice MM officiel. Voilà. Et ouais, déjà, nous signalons que l'album Procès-Verbal arrive très bientôt. On peut avoir une idée du contenu qu'on va retrouver dans cet album. Tout ce qui est juste une petite idée. C'est toute une histoire. Ouais. PV, Procès-Verbal, une histoire. Ça va beaucoup. Ina Anza Ikomemo. Ouais. Ina Anza depuis l'indépendance. Ma événement était tout mes pitié. Na tout naïti à ku procès verbal. Donc il ku PV. Na tout na signé. En détail, Shida zote tout na pitié. Apanara Shida. Voilà. Na ota comprendre comment tout na fiki apale sababu. Tout na choka. Tunachoka wakati tunaona wakimbizi, unaona mtoto iko nakimbia anabeba mizigo. Mtoto wa mwede 5 ans anabeba mzigo, anakokota mbuzi nyuma, iko abandoné, iko mu désespoir, iko abandoné. Na nani ni benye biko nafanya vita? Voilà. Parce que vita haina macho. Mimi naisemaka kila siku, vita haina macho. Ingekuwa na macho ingejua kama eske na mtoto tumtatize, na mama tumutatize, na baba. Na wakati ile désespoir imefika, alizi comprendre que uko mukanya basi niskre. Na umesha maliza waza maisha yako yote. Yenye nabakia ni kifuto. Mena mu procès ule mtu mmoja alisema naenda jiua. Jua amechoka, amechoka magumu yote. Ameona depuis l'indépendance, ma vita, mateso. Kisha kasema mimi naenda shitupa mu lake. Na wakati anafika pembeni ya lake ana raisonner. Anakutana watu biko pale. Ni nini? Akasema mimi naenda mu maji ni jitupe mu lake. Sana ta jitupa watu wanambia juu ya nini? Nimechoka na maisha. Alors sijui kama niko mimi nakuwa mrefu kwa ile histoire. Mimi wakati anafika ku maji anaona maji anasema nijitupe mu maji. Muko samaki. Mwele pui profond kwenda jitupa. Nda mezo na samaki. Nda zama nda mezo na samaki. Ba pêcheur batakuya. Wakati biko na lopola, bana lopola ile samaki yenyewe nikula. Ile samaki narudia msoko. Mwenye tainunua sijui ni nani. Voilà. Ni adui au ni rafiki au ni ndugu. Na wakati anaenda ipiga, anaikalangisha kisha naikula. Entre kukufa sawa samaki na kukufa mwai mateso, ya wapi ya lazima? Ya wapi unaweza prefere? Ni kesi yetu shibote. Kila mtu ajiulize. Voilà. Voilà. Na akasema kumbe nikajitupa maji ndakufa defwa. Voilà. Ania kwa nyanja gudize ni shenje. Ania kwa nyanja gudize ni shenje nje. Yo kira na isha ndende agamva mulenge. Yo kira na isha ndende agamva mulenge. Mbani banda maluliva peve. Na nimero na finga yona Avalobi mbaba ike zamburia. Na bani danya mojibonde. Nyani vagaviri gwerunga. Ndana wandika kishashali kya maruba. Kya mwami na mweba kungu valo mwami. Peve. Ni kusema wakati alimaliza vila kasema tafadhali niandike sasa peve. Okay. Naende ni remetre kuba wanao usika. Aki de droit. Voilà. Na bajibie magumu yote. Très bien. Voilà. Cet album, on sent qu'il y a un album très particulier. Par rapport à il y a c'est vrai qu'il a l'album bien que dans quoi qu'il a une particularité ça voilà. Mais il côté là beaucoup plus na très particulier parce que il a abordé situation et tout naïche et tout. Vraiment on est impatient de recevoir cet album. Merci beaucoup. Voilà. Ni kusema ça que c'est un album très particulier. Sababu tunaishi sawa bajife wa Israel. Tangu zamani, tangu tunazaliwa mpaka sasa. Donc particularité ni ile magumu. Voilà. Pana raha.
ni ile magumu ni vita, ni ukosefu wa amani, ni njaa, kukosa kazi ya wa vijana na wa ndugu, kutopata mshahara sawa kisi tulisema mkazaro. Voilà. Lakini tunarudia tena na ile mupeve. Très bien. Na kudetaye pia koma maevenime kunaenda. Paske mtoto mwenye anazaliwa leo anaweza eleza nini. Wakati anaona hii vita kisi kunaenda. Inaenda ka hivi, inarudia hivi. Inaenda hivi, inarudia hivi. Eke donc, ya boku beaucoup à faire, beaucoup à écouter aussi dans l'album. Voilà. L'album arrive très très bientôt. Donc, on a une date, il y a publication, il y a album. Oui. Nazani utakuwa parmi batu ya kwanza ambao wataannonce date. Tutakuwa tena pamoja. Voilà. Je t'annonce date pamoja. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Fabrice. Allez toujours sur la chaîne YouTube Fabrice MM pour découvrir toutes les nouvelles, surtout la dernière sortie Kazaro qui est toujours disponible. Allez vous engager sur les morceaux sur TikTok. Les amis de TikTok, donc votre chanson est là. Allez faire des challenges avec les morceaux. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Et on reste en attente des procès verbaux qui arrivent très bientôt. PV. Allez, PV, bien sûr, qui arrive. On est ensemble.